Aujourd'hui, Tonio, j'ai plein de choses à faire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une babysitter pour que quelqu'un te garde, puisque je ne pourrais pas m'occuper de toi aujourd'hui. Oh, mais pourquoi, papa? Bah, tout simplement parce que, eh bien, j'ai pas envie que tu restes seul à la maison, et moi, eh bien, j'ai envie de faire pas mal de choses, puisqu'il fait plutôt beau, j'ai envie d'aller jouer avec mes amis, enfin, plutôt d'aller voir mes potes, et voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement commandé une babysitter, pour que, eh bien, enfin commander, c'est un grand mot, j'ai plutôt, j'ai commandé une babysitter pour qu'elle vienne te garder aujourd'hui, donc voilà, et puis bah tu vas pouvoir faire sa connaissance, elle s'appelle Julie, voilà, et à ce qui paraît, elle est très bien notée sur le web, tiens bah regarde d'ailleurs, elle arrive, elle est juste ici, elle arrive dans sa Mini Cooper S, eh bah regarde-moi ça, tu vas voir, tu vas bien t'amuser avec elle, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir, elle va te faire à manger pour ce soir, elle va te faire un tas de choses, ok? J'espère qu'elle va pas être trop ennuyante hein. Non, t'inquiète pas, elle va s'occuper vraiment extrêmement bien de toi. Bon les amis, eh bien je compte sur vous tout simplement pour vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo puisque eh bien aux 10 000 abonnés je ferai gagner eh bien tout simplement 100 euros de Robux à un abonné. Voilà tout simplement, il faut tout simplement que vous abonniez à la chaîne YouTube et que eh bien vous rejoigniez mon Discord qui se trouve en description les amis. Voilà, chose, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez participé au concours et je ferai gagner 100 euros de Robux au eh bien tout simplement 10 000 abonnés. Donc voilà, regarde, Julie est en train de se garer. Bah regarde, voilà, elle arrive. Vas-y, tu veux aller l'accueillir, Tonio? Oui, oui. Vas-y, va lui ouvrir la porte. Bonjour madame. Bonjour mon petit, comment tu vas? Ça va bien, et vous? Y a mon papa juste là, si vous voulez. Bonjour monsieur. Bonjour Julie, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ah, bah... On est en train de faire quoi, là? On est en train de faire quoi? Bah justement, j'ai expliqué à Tonio qu'eh bien, il allait tout simplement être gardé par vous aujourd'hui, puisque j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Eh bah, moi, je vais revenir ce soir vers, allez, 21h, aux alentours de 21h, c'est ça? D'accord, mais vous voulez pas qu'avant que vous partiez, on se boive un petit café, non? Vous voulez boire un petit café? Pas de soucis, un petit café, je vous prépare ça tout de suite, ok? D'accord, je peux me mettre assise où? Ouais, asseyez-vous ici, voilà, asseyez-vous ici. Ok, on va se boire un petit café, pas de soucis. Les amis, c'est très bizarre, mais la babysitter me demande un petit café et que carrément je l'accompagne pour boire un café. Bah écoutez, je vais lui préparer ça tout de suite, j'espère qu'elle va être contente, hein. Ok, c'est bon, j'ai préparé le petit café pour Julie. Julie, tenez un petit café, hop là, voilà, c'est bon, alors il est bon ce café? Merci beaucoup, il est vraiment super bon ton café. Il est super bon, ah parfait. Bon alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part être babysitter, Julie? Eh ben, moi j'ai une maison, je fais le jardinage souvent, je cuisine super bien, si vous okay. voulez. Je pourrais vous faire un petit plat là tout à l'heure. Un petit plat tout à l'heure? Bah c'est pas, oui. Pas refusé, hein. Je dis pas non, hein. Mais sinon, vous êtes célibataire? Célibataire? Moi? Ouais, je suis célibataire en effet. D'accord. Et vous, vous êtes célibataire? Oui. Vous êtes célibataire? Ah ok, d'accord, ok. Oui. Parfait, ok, super, bon. Écoutez, bah vous savez quoi, moi j'ai une longue journée, donc ce que je vais faire, c'est que bah je dois y aller, et puis bah on se retrouve ce soir, ok, à 21h. Ah, vous partez déjà, vous voulez pas rester un petit peu avec moi? Un peu avec vous? Bah le but d'une babysitter, c'est quand même que vous gardiez mon fils, parce que moi justement, je voulais partir, bah tout simplement pour aller voir mes amis, quoi. Oui, mais ça peut un peu attendre, non? En vrai, on s'était donné rendez-vous à 15h30 et là, il est déjà 15h30 passé. Je suis un petit peu en retard, madame. Ah, d'accord, c'est pas grave. Eh ouais, Julie. Bon, écoutez, Julie, à ce soir. Hein. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir. Ok, bon, les amis, c'est bizarre, mais vraiment, la babysitter me paraît extrêmement bizarre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la porte du garage et on va partir d'ici. Elle est vraiment, on dirait qu'elle veut clairement me draguer, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle veut vraiment énormément me draguer. Bon écoutez, c'est parti. Moi j'ai rendez-vous au match, au terrain de foot avec mes amis, parce qu'on s'est prévu un petit match de foot. Donc je vais voir s'ils sont tous là. Enfin s'ils sont là, peut-être qu'il y en a qui vont arriver en retard, etc. Mais au moins je sais qu'il y en aura peut-être déjà qui seront arrivés. Donc je vais aller faire un petit match de foot ce soir, petit resto avec mes potes. Et puis bah après je rentre à la maison. Et puis bah je verrai le comportement, et bien tout simplement, de la babysitter. Parce que bah vraiment je la trouve vraiment assez assez étrange. Bah regardez, il y a mon pote Samir qui est déjà là-bas. Regardez, on va aller voir Samir. Il est juste ici. Samir, il est en train de jouer au foot. C'est parti, on va le rejoindre. Je vais garer ma voiture ici. Tac, tac, tac. Hop là, voilà, nickel. On va aller voir Samir. Eh Samir, ça va?
Ouais, t'as le cas. Ouais, et toi? ça va, tranquille. Bah, tranquille, tranquille. Hey, les autres, ils sont où? Ils arrivent ou quoi? Ils arrivent plus tard, ils arrivent plus tard. Ah, ils arrivent plus tard. Bon, bah écoute, on va commencer à s'échauffer, faire le match de foot et tout, ok, t'es chaud? En plus, il est 15h30 passé là, t'es en retard. Ah ouais, je sais que je suis en retard, mais les autres ils sont grave en retard aussi. Bon, tu sais quoi, on va commencer. Tu te mets au cage là-bas et moi je fais un petit tir. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Ok, je fais un petit tir, ok? Tu vas au cage là-bas, vas-y, t'es chaud? Ouais. Vas-y, vas-y, allez, go. Bon, les amis, du coup, moi je vais jouer tranquillement avec mon pote. Je vais tout simplement faire mon match et puis nous on va se retrouver à 21h une fois que j'aurai fini de jouer avec mes potes et puis que j'aurai fait mon petit restaurant. Même si bon, la femme de ménage, qu'est-ce que je raconte? La babysitter a dit qu'elle allait me préparer un petit repas tout simple, donc ça va plutôt être cool. Ah, allez, je rentre à la maison après une longue journée à jouer au football. Oh là 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 là, et le petit restaurant, autant vous dire que j'ai le ventre plein. Je suis allé à la pizzeria de mon pote. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être un peu plus de 21h30 quand même déjà. Ok, bon allez, je vais fermer le garage. On va aller voir si tout se passe bien, si la babysitter Julie est toujours à la maison et si mon fils est en train de dormir ou pas. What? Mon fils est allez, pas... Allez, vas-y les gars, on va faire top 1. Attendez, mais... Oula, attendez, 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 regardez, regardez. Attendez, la babysitter, Julie, elle est là, mais pourquoi elle attend à la porte avec un bouquet de roses? Et Tonio, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Me dites pas qu'il est en train de jouer à Fortnite quand même, ou... Attendez, il est sur l'ordinateur à cette heure-ci. Il est là, il est là, mais... call rush, call rush. Normalement, à cette heure-ci, il est plus en train de jouer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Me voilà, je suis rentré. Coucou. Ah, bonjour. Rebonsoir. J'ai préparé une petite surprise que je suis allée cueillir tout à l'heure dans ton magnifique... pas ton jardin, mon jardin. Voilà. Bah, ton jardin, jardin. Tu es allé me cueillir quoi? Oui. Mais t'étais pas censé garder Tonio? Tiens. Oula. Si, mais... Ouais, je prends... Oula, je prends... Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouquet de roses? Tu m'as offert un bouquet de roses? Ok, d'accord, mais ok, pour quelle occasion? Mais je sais pas, c'est... Mais c'est ma peluche, toi. Ok. Non, c'est pas ta peluche. Mais c'est ma peluche. Tonio, écoute, t'es en train de jouer à l'ordi, va dans ta chambre, va dormir, ok? Ok, je joue à Minecraft. Non, Tonio, tu vas poser ton ordinateur, ok? Tu me donnes ton ordinateur, ok? Tu me donnes l'ordinateur, tiens. Voilà, allez, tu me donnes ça, voilà. Et maintenant, tu vas dans ta chambre, je vais voir si t'es bien en train de dormir. Ok, c'est bon, allez, tu dors et tu viens pas, ok? Allez, moi je dois parler avec Julie. Allez Julie, venez, on va parler. Mais Julie, qu'est-ce que vous faisiez avec le bouquet de roses là? C'était pour vous, pourquoi? Ah ok, d'accord. Si, j'adore les roses, j'adore ça. Oui, donc vous êtes un peu proche de moi quand même, hein. Ah oui, désolé, j'ai un peu m'éloigné. Vous êtes un peu proche de moi. Bon, écoutez, vous voulez quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose? Ce soir, j'aimerais bien faire à manger quand même pour vous. Hey, Tonio, je t'ai dit quoi? Va dormir, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Va dormir. Bon, pas de soucis. Bah écoutez, si vous voulez manger un petit quelque chose, allez dans le frigidaire. Et puis bah, du coup, après, je vous donnerai l'argent qu'il faut pour que, bah, pour la journée, ok? D'accord. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'a fait Julie? Je l'attends depuis au moins une heure. Elle a dit qu'elle rentrait tôt ce soir. Bon, y a pas le choix, je vais devoir aller voir ce qu'elle est en train de faire. En plus, elle a dit qu'elle allait me préparer le repas pour ce soir. J'espère qu'elle est pas encore en train de draguer un de ses clients, hein. Bon, je vais l'espionner d'ici, je sais pas, je vais regarder avec qui elle est. Bon, Julie, c'est bon, vous avez fini de faire à manger, c'est bon? Oui, je vous ai fait un magnifique repas pour... Oh, c'est vraiment trop gentil. Un bon burger, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça, hein. Oh là là, un bon burger. Oh là là, ça fait vraiment super plaisir. Bon, en vrai, j'ai pas super faim parce que j'ai déjà mangé énormément. Eh bien, avant de partir, avant de venir plutôt, puisque je suis allé manger à la pizzeria d'un de mes amis avec tous mes potes et c'était vraiment formidable. Oh là là, elle est encore en train de draguer un client! Oh là là, ça m'énerve! Ah, bon, écoutez, je pense que c'est l'heure de partir. Moi, je vais me regarder un petit film et tout simplement, eh bien, je pense que je peux vous donner votre... Oh, quelqu'un est en train de sonner? Attendez, j'arrive, je vais voir ça, D'accord. Tac. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Julie! Ouf! Qu'est-ce qu'il y a, Julie? C'est un ami. Ah bah attendez, je vais lui ouvrir. Bonjour. Non. Qu'est-ce que tu fais toi avec ma femme Julie encore? Qu'est-ce que tu fais avec elle?
Moi, mais rien du tout. Gardez mon fils aujourd'hui, gardez mon fils. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai vraiment rien du tout. Hein. Bon, c'est quoi tout ce raffut là? Rien, Tonio, rien. T'inquiète. Remonte dans ta chambre, remonte dans ta chambre. Bon, bah, si vous le dites. Ouais, t'inquiète. Oh, Julie, je te préviens, c'est pas la première fois que tu me fais un coup comme ça. Rentre à la maison tout de suite, ok? Non, j'aimerais bien quand même rester avec tel cadeau. T'as vu comment il est beau? J'en ai marre de toi. Toi, t'es trop moche. Quoi? Moi, mais moi, je. Tu m'as dit tout à l'heure que t'étais célibataire et moi, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de d'être entre vous deux, hein. Clairement, prends ton argent et barrez-vous, hein, ok? Et en plus, tu sais que c'est tel cadeau, il m'a dit. Oui, je te fais à manger, etc. Viens, on se met à côté, on regarde un film, etc. C'est de sa faute. Quoi? C'est de la faute de Talcado? Ok, bon, rentre à la maison tout de suite, je vais m'occuper de lui. Attendez, vous avez dit quoi là? C'est de ma faute? Non, j'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non. Oh, il veut. Oh les amis, il veut me fracasser la figure. Moi j'ai rien fait, je lui ai même pas touché, je lui ai même pas dit. Je lui ai rien dit, je te promets. Viens ici, je vais te fracasser, Talcado, viens ici. Viens ici que je te chope. Oh les amis, je suis en train de courir. Vous savez quoi? Plus jamais j'engage de babysitter. Elle a carrément voulu me draguer. Moi je vous promets, bah comme vous avez pu le voir, que je n'ai rien voulu tenter, je n'ai rien voulu faire. Son mari il veut clairement m'attraper là. Oh là là là. Bon allez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Talcado. Ciao ciao les potes.